Yo les gars, de retour sur ma chaîne. Alors, il fait vraiment beau dehors, honnêtement. C'est une très belle journée pour vlog. Là, j'essaye de m'adapter avec mon nouveau trépied, ok? Donc, c'est ça, on va ouvrir les rideaux. Il fait beau. Il fait beau aujourd'hui. Alors, honnêtement, là, j'ai la flemme. Je prévois rester en pyjama jusqu'à temps que je me prépare pour aller à l'école. Je dois encore aller à l'école aujourd'hui. Faire ma semaine quoi, donc aller à l'école et tout. Suivez-moi dans ma routine, venez avec moi. Là je m'en vais déjeuner, j'ai pas encore déjeuné depuis ce matin, j'ai juste mangé quelques fruits, mais là je vais aller grignoter encore. J'aurais espéré avoir le temps de faire du tapis roulant parce qu'on a un tapis roulant ici, mais honnêtement je pense même pas que j'aurai le temps. Je pense même pas que j'aurai le temps en fait. Alors hier, moi et mon chéri, on a préparé de la salade, très bon. Depuis que je suis avec lui, je mange vraiment beaucoup de salade. Je mange vraiment mieux, c'est vraiment mieux pour la santé en tout cas. T'as de la salade principalement, évidemment. Et on rajoute plein de légumes, donc des concombres, plein de trucs bons pour la santé. Et moi, j'ai la mauvaise habitude de manger tout le temps du riz chaque jour. Chez moi, on mange tout le temps du riz. C'est vraiment comme une nourriture de base. Nous, on mange tout le temps du riz. Et honnêtement, le riz, c'est tellement gras. Genre, ça fait tellement grossir. Puis moi, dernièrement, j'ai demandé à mes proches. Ils trouvent pas que j'ai vraiment pris du poids. Mais moi, je le vois, you know, comme c'est moi-même. Tu sais, tu remarques quand tu prends du poids ou quand t'en perds, là, c'est ton corps, you know. Mais moi, j'ai vraiment remarqué que j'ai pris beaucoup de poids. Puis là, je mange plus de salade. Au déjeuner, je ne vais pas manger. Je vais essayer d'éviter de manger du pain. Et des trucs gras comme ça. Ou même des céréales, des fois. Si là, je mange plus juste des fruits. Tu sais, je vais manger des ananas, des cerises, des fraises, des raisins, beaucoup. Et c'est ça. Et je vais boire un détox pour le matin. Je vais vous montrer. En fait, je vais juste vous montrer de quoi aurait l'air mon déjeuner si quand je déjeune avec Bé. Parce que quand je déjeune avec Bé, c'est ça qu'on déjeune tout le temps. Puis c'est ça. J'essaie vraiment de m'habituer puis de prendre ça comme routine. Donc là, présentement, il est 10h04. Alors, je dois quitter ici d'ici à 11h. Donc, il me reste exactement 56 minutes pour manger. Je me suis déjà lavée ce matin, j'ai déjà brossé mes dents. Donc juste manger puis faire du ménage parce que je fais toujours un peu de bordel quand je filme. Donc c'est ça, je vais vous montrer en fait. Ce que je déjeunerais en tant que tel, si ce serait comme un matin comme les autres, comme aujourd'hui dans le fond, je déjeunerais comme des fruits, comme je viens de vous dire, donc des cerises. En plus, elles sont vraiment belles. On les rince tout le temps dans un bol et ensuite on les laisse dans le frigo, toujours frais, prêt à manger, puis propre déjà. Donc on n'a pas besoin de prendre une batch lavée pour le peu qu'on veut manger. Non, toute l'assiette est déjà là, est déjà toute propre. Ensuite, ce serait plus comme des raisins. Donc eux aussi on les lave et sont déjà propres. On les met dans un bol et on les range dans le frigo. Comme ça. Et ensuite, des ananas. Ben je vais pas ouvrir le pot là, vous pouvez voir. Donc on mange toujours des ananas aussi. Et d'habitude, il y a aussi du melon d'eau. Alors, du melon d'eau ou des fraises, peu importe, tout dépendant de ce que tu veux manger là, ce matin-là, tu sais. Alors, honnêtement, on fait juste laisser les pots là sur la table et on mange. On se sert directement dans les pots, dans les plats, avec les mêmes propres, bien évidemment. Alors, je sais, la luminosité est vraiment dégueulasse en ce moment, je sais pas. Le soleil, on dirait qu'il est contre moi aujourd'hui. On dirait que le soleil est contre moi aujourd'hui.
Alors là, je vais juste placer la table. Alors pour ceux qui aimeraient savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon détox, c'est comme un liquide vert comme ça et à l'intérieur, je vous dis les ingrédients, donc il y a de la mangue, de la calée, je sais pas c'est quoi de la calée, de la menthe, de l'herbe de blé et du jus d'orange. Donc ça dit garder réfrigéré et consommer avant 4 jours. C'est bien qu'il a acheté, il a acheté au Jean Talon, marché Jean Talon en fait. Puis c'est ça. Donc habituellement, il est plus fort. Mon copain a rajouté quelque chose pour qu'il soit un peu plus doux. Je sais pas c'est quoi. Il me l'a dit ce matin, mais j'ai oublié. Je vais lui demander si vous êtes intéressé. Alors là, en fait, je vais juste faire du ménage parce que c'est littéralement le bordel ici. Donc, je vais faire le lit, ranger mes vêtements, c'est ça, et relaxer le peu de temps qui me reste avant d'aller à l'école parce que je suis dead. Je suis vraiment épuisée. Je suis tout le temps fatiguée, mais bon, pas le choix, hein, faut que j'aille à l'école, donc... Je vais appeler Bay. Mon copain fait toujours la vaisselle avec ça. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Moi, ça m'énerve. Je suis pas habituée à laver la vaisselle avec ça. Une fois, elle est pas. Je savais même pas que ça existait une mop pour la vaisselle. C'est comme petit puis c'est adapté pour la vaisselle. Thank you.
Yo les gars, je vais close la vidéo. Ça a été un plaisir de vous montrer un peu mes nouvelles habitudes matinales, comme on dit. Je dois vraiment me dépêcher. Je dois finir de ranger mes petites affaires et puis m'apprêter pour aller à l'école, comme je vous ai dit. Donc, sur ce, on se revoit à la prochaine, les gars, avec une prochaine vidéo. Bye guys, vous faites des gros bisous. Mouah.